Enfin, Luigi, regarde frère, il a des pieds et ses moves avec ses pieds sont pas mauvais. Hein. On parlait de Marie dans le chat. On parlait de Marie dans le chat. Et là, on a fait un petit détour hein, dans la wave B et on va revenir rapidement en wave A. Parce que là. Violente Kudasai. Violente Kudasai. Kudasai, anciennement Switcher. Kudasai, ouais, ça Marie. Alors, moi qui ai un petit peu plus. Moi qui ai peut-être un petit peu plus l'habitude de voir des maris. Oh non, mais moi j'ai l'habitude, c'est vraiment un perso de mon genre de sap également. Voilà, je n'aime vraiment pas Marie, frère. C'est boring, c'est boring. Voilà, Kaja, si tu passes par là dans le chat, ah ouais, Kaja, je te déteste. Kaja, on t'embrasse. Très peu, mais voilà. En tout cas, ouais, Marie, je trouve ça vraiment très très lame et c'est pas vraiment fun à regarder, pas vraiment fun à affronter, pas vraiment fun à caster, malheureusement. Ça voilà. Ouais. En vrai, ça dépend. En vrai, il y a des trucs rigolos que tu peux faire sur Marie. Par exemple, arriver de 0 à 90%, tu sais. C'est vrai que c'est drôle ça. Oui, c'est drôle, oui, c'est drôle. Bah, c'est drôle, elle peut faire l'équivalent d'un Kazuya, mais sur une ouverture, c'est marrant. Hein. Non, mais voilà, et puis après, voilà, elle se met sur une plateforme, elle met un giro en dessous, une canne à pêche. Et t'es là en mode, bon bah. Ouais. GG. Anyway, le match-up en vrai, Kazuya Marie, j'ai envie de dire que c'est pour Marie parce que bah, elle peut le zoner. Mais une fois arrivé au corps à corps, le Sheng, il aurait mieux fait de rester à la SPA. Bam! Mais c'est vrai, tu peux te faire plaisir, tu peux te faire plaisir. Et avec les grabs, tout ce qui est grab, tout ce qui est canne à pêche, le perso est juste impérial là-dessus. Et on l'a vu tout à l'heure avec la backstroke tout simple, hein, de la part de Kudasai. Et pareil, ouverture avec l'électrique, le B qui va suivre derrière. C'était excellent de la part de Bayolante. Les compteurs sont remis à zéro. Attention tout de même, Marie, on sait que ça peut faire beaucoup de dégâts en quelques secondes. Démarrage à la canne à pêche et la fusée, pareil, tu l'as vu. Donc en vrai, Bayolante est pas du tout à l'abri. Surtout, voilà. Le jab le plus. Même le jab, il est chiant à se prendre, frère. T'es là, t'entends un vieux. Laisse-moi tranquille. Je suis mort. Non, en vrai, le perso, tu sais qu'il y a un monde où j'ai failli devenir un Ben Isabelle. Ouais, bah t'as bien fait de jouer Joker. Hein. Parce que j'ai pas envie de voir le monde où tu joues ça. Hein. En tout cas, pour l'instant, arrêtons de se plaindre du personnage. Regardons surtout le set, parce que là, mon cher Loïc, la canne à pêche a failli envoyer Bayolante rejoindre ses ancêtres directement dans les cieux. Et c'est compliqué, on a du mal à s'approcher. L'électrique qui viendra chez Poke, bien évidemment, qui en mettra cette Marie un peu plus loin. Mais c'est pas vraiment son avantage, hein, mine de rien, de l'éloigner. On viendra se prendre le turbo combo. Oh non, le turbo combo de Bayo. Il est où le turbo combo? Ah. Oh là, elle s'est baissée juste suffisamment pour esquiver le laser et poser son gyro et on reviendra à rôle dedans. Ouais, on s'est mis sur la petite fusée, on a décollé tout simplement. Et c'est vrai que se retrouver au-dessus du Marie, c'est pas forcément la chose la plus optimale et la plus adéquate. Finalement, on se retrouve un petit peu dans une position de faiblesse, vraiment là au-dessus, bah en face de Juggle, et quand Marie est au-dessus de toi, bah c'est chaud. En face de Juggle, elle met un gyro sur toi. Oui, elle met un gyro et elle met un perdre. Bon. Après, frère, t'es en mode bon. Voilà. Je suis pas pour Kazuya, hein. Enfin, vraiment, je n'aime pas le personnage non plus, mais ça me rend si triste de le... Enfin, il ne se passe rien. Literally, tu ne peux pas le jouer. Il peut pas approcher. Bayolante ne peut pas approcher. Parce qu'il y a la fusée. Il ne peut pas approcher n'importe comment. Voilà. T'as les projectiles relous comme ça. Et Rage Drive à 55 qui a failli tuer. Alors oui, là... Ça aussi, c'est malhonnête, oui, mais... Après, c'est Marie, le perso est très très léger, par contre. Je savais même pas que ça tankait, genre le grab. Je savais pas non plus. Ah, toujours pas. 99. Ouais, j'ai cru qu'il allait lui mettre. Hein. Qu'il allait lui mettre le vilain grab en dehors de la zone. Attention. On a essayé de pocket, je sais pas, peut-être un laser. Malheureusement, ça ne permettra pas à Switcher de remonter. Kudasai. Je sais pas si c'est un vrai rename ou si c'est juste pour troll. Mais on va l'appeler. Je sais pas. Moi, il s'appelle Switcher sur son jeu et il s'appelle Kudasai sur le Star GG. Moi, je mets Kudasai. Moi, je dis Kudasai. Voilà. Ok, bon, ça sera pour Kudasai. Pas pour Kudasai. Allez. Kudasai, ouais. Qui a une petite avance. Il se prend un gyro, il est mort. Oui. C'est sur un grab. Oh, mec. Sur un grab en vrai. Sur une ouverture. Ça ne meurt pas. Ok. Bah, je m'attendais à un suivi du gyro justement pour peut-être aller mettre un big upper. Malheureusement, on n'ira pas le récupérer hein, du côté de Switcher. Après, faut pas sous-estimer Kazuya, mine de rien. Il suffit de trouver une phase pour tuer le personnage en face. Donc, à tout moment, si on arrive à s'approcher du Dogo, peut-être que... Ah non, maybe peut-être. Compliqué. Peut-être. Sur un électrique, sur quelque chose. Mais ouais. Attention, la DI est excellente de la part de Bayolante, mais on est quand même à 208%. Donc oui, sur un grab, sur une seule faille, ça aurait pu être juste fatal. Ça aurait pu être le vol de game le plus absurde d'aujourd'hui. Et pourtant, il y en a eu un tout à l'heure.
Ah ouais, il y a eu des cardiaques. Ah, j'en ai vu, hein, mais celui-là, ah, j'en ai vu. 215%, c'est énorme, mais on se maintient bien, on se maintient bien. Qu'est-ce que ça, ça lance des cailloux, mon pote. T'es dans une manifestation là, t'as... C'est... Ouais, c'est bon. Ok, ça tue. C'est 215%, c'est la backstro. Ça devait partir, ça devait décoller. 1-0 du côté de Kudasai avec sa Isabelle. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir Palourde qui tape son gigacro dans son délicieux croque-monsieur. Juste derrière là. J'ai toujours pas eu mon croque-monsieur. J'ai faim. Tu veux un croque-monsieur? Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Attends, mon croque-monsieur. Attends, attends, je le prendrai après. Je le prendrai après. Là, nous sommes en plein cast, nous sommes en plein commentary. Ah bah tu sais, pendant mes phases de cast où je te monopolise 20 minutes de cast, tu peux manger, taper un croc, je pense. Il y a pas de souci. T'auras le temps. T'auras même le temps de reprendre une deuxième bouchée. Allez. Allez. Allez, c'est y part, mon petit canard. On est parti pour la game de toujours. Bayolante versus Kudasai. La Marie contre le Kazuya. Pour l'instant, toujours à l'avantage de la Marie qui jette des vilains cailloux sur le visage du vilain Kazuya. Et même si on... Oh là 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 là. Aïe. La DI était bonne. Attention, mais... le coup de balai, le coup de navet. On viendra poser le gyroïde sans vraiment s'inquiéter de la retombée de Bayolante. On viendra se prendre le laser qui viendra casser ce gyro. C'est une très bonne affaire pour le Kazuya. Mais... Kazuya qui peine quand même à approcher, hein, parce que oui, Marie, ça pose un petit peu toute sa cuisine, j'ai envie de dire. Parce que oui, là, t'as une fusée de plantée, donc vraiment, au niveau approche, oh là assez là là là. Limité. Et pour le Kazuya, niveau déplacement généraux, c'est pas forcément le meilleur. On a un Rage Rêve cependant, 58%, on a vu tout à l'heure, ça tuait pas. C'est Smashville, merci. Le plafond, 99%, par contre, la prochaine touche, là, elle peut être mortelle. Être mortel effectivement et on viendra bien tanker cette canne à pêche. Le gyro qui est juste là en vrai, voilà, qu'est-ce que tu fais contre... Il a pas pris le gyro par contre. Étrange. Ouais, il tire comment le laser tout droit ou pas? Est-ce que... Ouais, ok. Je me demandais s'il reprenait pas l'angle, tu sais, il avait plus de ça. Qui s'était envoyé, mais c'est pas grave. On viendra encore une fois. Attendez, il va y avoir Mirvin qui essaie de prendre en photo. Je veux pas qu'il me prenne en mal en photo. Non, en vrai, ça essaye juste de prendre en photo les joueurs. Oh là 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 là, okay. Le coup de poing qui enverra le Shingu rejoindre les 16 êtres dans les ciels. Ah ouais, il l'a envoyé bien bien loin. Bien bien loin. Évidemment, ça c'est l'une des faiblesses aussi hein, de Marie. C'est vraiment cette recovery un petit peu exploitable en fait. C'est une recovery qui. Allez. Tu peux la varier comme tu veux, tu peux mix up à peu près comme tu veux. Par contre, c'est assez lent, c'est assez prévisible, c'est assez télégraphé. Donc, tu peux pas. T'as pas de hitbox en plus. Donc, oui, tu peux facilement te faire abattre. Comme c'est fait abattre Kudasai. Et pour l'instant, 95 ici. Première fois dans le set où Bayolante a de l'avance. Et là, l'avance, va falloir la garder. Il va falloir concrétiser hein, sur ces ouvertures qu'on a, sur ce peu d'ouverture. Parce que oui, il ne lâche rien, Kudasai. C'est vraiment une véritable muraille avec ses forward air et ses back air. Le lance-pierre, là, un petit peu, qui est en force. Effectivement, le lance-pierre qui est en force. C'est Bi qui viendra récupérer cette stock directement dans les airs. On aura bien sûr catch, justement, ce jump un peu présomptueux. Qu'est-ce que ça dit dans le chat, Loïc, le mec sérieux. Tu es un gars sérieux, tu ne veux pas manger pendant ton cast. Tu es trop sérieux pour ce cast. En tout cas, déjà 39% d'infligé avec deux petites patates. Et les patates chaudes, c'est ce qu'on envoie hein, du côté de Marie avec ce lance-pierre. On envoie plein de cailloux, on envoie plein de patates. Le gyroïde qui viendra mettre à mal ce Kazuya. On a le Red Drive, malheureusement on ne touchera pas cet électrique. On touchera peut-être par contre le prochain side B, mais ça ne tuera pas. On le sait très bien à ces pourcentages-là. Oh, c'est un counter à la canne à pêche. Ok, on a perdu le Red Drive déjà, 139%. Et c'est compliqué de trouver l'ouverture, mais on a l'avantage pour l'instant. Peut-être laisser justement cette Marie s'approcher serait une bonne option. Ouais. Et les approches, ça reste quand même relativement difficile. Hein. Marie, c'est un perso vraiment à setup, avec des setups où vraiment tu te sers de tes outils pour mettre énormément de dégâts. Tandis que Kazuya, c'est un petit peu l'opposé où vraiment tu rentres en contact avec ton adversaire directement, tu mets tes patates, tu mets tes combos, tu mets tes électriques, tu mets tes dragon fist, tu mets tes dragon uppercut, etc., etc. Oui, je connais les noms des coups. Il y a quoi 68% déjà du côté. Ça, Tekken, par ici. Ça ne joue pas à Tekken, c'est juste que j'ai appris les coups. Tellement je vois des Kazuya partout. Par contre, ce sera le lance-pierre. Qui va gagner ici? Pierre, feuille, ciseaux. Bah écoute, la pierre, elle gagne. Très bonne note, ça, mon cher Loïc. On apprécie les petites blagounettes pendant le cast. C'est toujours assez drôle et marrant. Et... Oh, le reflect! Oh, le reflect! En fait, je crois qu'il s'est pris le coup de pied plus le reflect. Oh, la dinguerie! C'est vraiment une interaction de golf. Oh, le reflect! Bien wesh, ouais, frère. C'est dinguerie! Ok. Tu l'avais vu, ce move-là? Tu connais... tu le connaissais, lui? Hein?
Ah, t'es là, ouais, je vois des casouillas partout. Tu l'avais pas vu tir celui-là? Non. Je m'attendais pas au reflect, honnêtement. T'as fait un gros. Je m'y attendais pas au reflect. Pensez à clipper si possible. Oui, clipper s'il vous plaît. La VAR. Je veux la VAR. Ouais, s'il vous plaît. Comme je ça, veux une VAR. Nous n'avons pas de VAR, nous n'avons pas de replay. J'espère qu'il y en aura. Il y aura des replays. J'espère. Ah oui, il y aura des VOD, il y aura des replays, on pourra en revoir tout. Ouais, vu, ouais, parle. Ouais. N'hésitez pas à faire des dons à Smash Grand S pour pouvoir m'acheter un nouveau PC et comme ça on pourra avoir des replays. Oui. Oui. Allez. Et on va pouvoir repartir. Game 3, un partout. Erwin de retour dans sa caverne qui décide de poster des messages. Voilà, il est dans attention. La caverne en train de faire. Voilà, le backhack aurait pu finir très mal pour ce pauvre coup d'assaï. Effectivement. Effectivement, un Bakar qui reste quand même très très fort hein, sur Kazuya. Qu'on a peut-être tendance un petit. Pardon ? Oh, l'interaction de Golemon Golemic, frère, il a mis un S-Flash pour tanker. Je sais pas si c'est du génie ou juste de la stupidité pure, mais ça me fait rire en tout cas. On a le Red Drive, on va pouvoir peut-être trouver un petit side B là, 80% ça devrait tuer. Ah, attention. En situation de off-stage. On aura malheureusement été catch. C'est triste pour Bayolant, mais c'est pas grave. Parce qu'on a quand même Kazuya, le laser qui aura failli tuer. Hop. Bah, oh non. En vrai, on a Kazuya, mais après le problème, c'est que on a plus de touches du côté Kudasai que Bayolant. C'est vrai que évidemment, Marie, on en a besoin hein, de ces touches, on en a besoin de ces ouvertures. Parce que oui, Marie, c'est pas ouais, le personnage. J'ai compris le mot touche en mode plus de touche de manette, tu vois. Ah. Juste en mode, c'est vrai que Kazuya doit vachement appuyer sur A, mais quand même. Ah, non. Marie, ça appuie vachement sur B, quoi. Ça appuie vachement sur B, oui. Mais oui, on a besoin d'un petit peu plus d'ouverture du coup d'assai. Parce que oui, avec si on met simplement que des forward air ou que des back air, les dégâts sont pas forcément énormes et exponentiels. Tandis que Kazuya, évidemment, tu connais les conversions, tu connais les damage, tu connais les pourcentages que ce personnage peut infliger, qui sont juste énormes. Donc en vrai, pour Bayolant, c'est relativement ok. En plus, on a le Rage Rêve de disponible. Il va falloir bien s'en servir. Il va falloir pas le gaspiller parce qu'on en a besoin. À 61%, là, je pense que le Rage Rêve peut potentiellement tuer, surtout si on le fait sur une plateforme. Ici, l'air dodge un petit peu. Peut-être panique. Pas hasardeuse, un petit peu panique. Mais le side B. Aïe. Enfin, le Don B, malheureusement, qui ne viendra pas connecté. On aura essayé, malheureusement. Le Géroïde était là pour catch. Encore une fois, c'est vraiment compliqué de s'approcher. On aura mis l'électrique dans le Giro, ce qui permettra d'en remettre un deuxième. Juste derrière et malheureusement ça ne tuera pas. 117% déjà d'infliger. J'ai envie de jouer à League of Legends, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais maintenant j'ai eu une envie en voyant le Dogo. C'est pas grave, on ne viendra pas se prendre ce tilt, ce upper pardon. Et c'est compliqué, on vient de manger ce Géroïde après la dash attack, ça ne tuera toujours pas. Et du côté de Switcher, on tempo très très bien, on lance des cailloux depuis 5 minutes, on sait ce que c'est de temporiser. Voilà, faut pas qu'on perde patience du côté de Bayolant. Oh non frère, il y avait l'animation, Géroïde est quand même pas... Oh frère, il y avait le grab. Non c'est bon, on a perdu patience du côté de Bayolant, on essaye de bourrer les moves. Il y avait le grab. Ouais. Un petit peu louche, mais bon, ouais, on perd un petit peu patience. Sus, hein. Tous ces dates. Oh oui ouais. Get off hell. Get off hell. Retourne d'où tu viens, va à la niche le Dogo. Voilà. Retourne dans ton pays. Ton pays de Animal Crossing. Animal Crossing. Et peut-être là c'est l'ouverture qu'il faut. Okay. C'est l'ouverture qu'il faut à Bayolant. Et en plus, le Rage Rêve est là, le Rage Rêve est disponible. Vas-y, fais l'input, là tu peux rattraper les pourcents à tout moment. Là moi je dis en vrai c'est even. Ouais c'est even parce que là il suffirait d'un spike, d'un beau spike peut-être pour tuer, malheureusement on ne viendra pas toucher le pire. Aïe. Ça fait mal. Allez, croque-moi dans ce croque, monsieur. Quand on est emporté. Croque. La régie, je veux une caméra sur Louis. Sur moi qui mange? Oui. Non. Croque. Après. Après. Ouais. Ouais, mais c'est dur de sortir de Géroïde. Hein. C'est vrai que quand on est pris dedans et quand t'as Marie qui te suit derrière avec un père, bah t'as des pourcentages qui volent. Ce qui vole aussi, c'est les stocks de ses adversaires avec ce vilain Géroïde. Aussi. Donc, pas mal de stocks qui sont perdus sur ça, pas mal de setup trouvé hein, aussi hein, chez Kudasai qui les trouve très très bien. En termes d'approche, chez Bayolant évidemment, c'est très très dur. Très très dur, mais dès qu'il a cette faille là,
on sait que ça peut vraiment juste valdinguer. Et on va repartir. Game numéro 4. Game numéro 4 de ce BO5 en Wave A. On va pouvoir repartir. Smashville, encore une fois. Le bon Mirjin qui croit que je ne le vois pas caché derrière son poteau pour essayer de prendre une photo de moi compromettante comme à chaque événement. Il est maléfique, mais ce n'est pas bien grave parce que pendant que je parle, il y a déjà 92%, 102%. Ouais. On a déjà le red drive. Oh, attendez. Oh, la dinguerie qu'il aurait pu. J'y ai cru aussi. J'ai eu envie de la douille. J'ai vu le chien mourir si vite, mais malheureusement, le Dogo a survécu. On a le Dogo Buff. On a cette puissance que les gens n'ont pas envie de voir mourir les chiens dans les jeux vidéo, ouais, ni dans les films. Oui. Et ça va tuer effectivement le Gerid encore une fois, qui permettra de confirmer dans le vilain upper. Ouais, beaucoup de confirmes, beaucoup de bread and butter hein, du côté de la Marie. Évidemment, du côté de Bayolante, on veut pas se laisser faire du tout. Attention avec cette air dodge, la non-tech derrière qui va suivre. Une Marie qui est vraiment beaucoup trop installée en même temps. C'est Smashville. On est à domicile du côté de Kudasai. Donc forcément, on veut implanter son drapeau. Encore une fois, le EPR qui va conclure la stock. Ici, Bayolante totalement dos au mur, X-Pari Boy. Effectivement, dos au mur. Et j'ai envie de te dire, c'est compliqué de toute façon de s'approcher. Mais c'est pas grave, parce que là on avait l'invincibilité, on avait de quoi trouver la stock et c'est ce qu'on vient faire directement. Les petits combos des gens infusés, 38%, on aura bien roll la ride, malheureusement ça ne suffira pas. On vient tout de suite renvoyer des cailloux dans le visage du vilain, du très vilain Kazuya. Mais qu'est-ce qui est plus vilain qu'un Kazuya? C'est le gyroïde, parce qu'il l'embête, regardez-le, et c'est littéralement, il essaie de lui voler son goûter. Le gyro ne veut pas que Bayo se régale. Il n'y a pas d'approche. Dès qu'il essaye de toucher un truc, dès qu'il touche un truc, eh ben non, le vilain gyroïde va venir l'arrêter et le mettre en prison. Ah là là. Hop là, voilà. Gyroïde, encore une fois. Et ça nous permet d'avoir le Rage Drive encore une Attention fois. Mais on n'a pas beaucoup utilisé de Rage Drive. On n'a pas la possibilité de le faire parce que oui, on est beaucoup trop finalement ouvert et beaucoup trop exposé du côté de Bayolante. Mais ça peut le faire parce que là, le Rage Drive létal, 129% peut-il le faire. C'est une ouverture à l'électrique qui va suivre derrière la plateforme ici qui va gêner un petit peu notre bon joueur de Kazuya. Bayolante, il va servir du reflect derrière. Ok, l'ouverture sera très très bonne. 78%, ça continue. Monter, ça commence à être totalement terrifiant ici. C'est on vient de deflect le back air. Malheureusement, ça, on aura bien read, mais ça ne touchera pas. C'est un peu triste du côté de Bayolante. On va pouvoir remonter, mais à quel prix? Il y a le gyro sur le ledge, il y a la canne à pêche, il y a de quoi se prendre. Non, attention, pas de aïe, 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 non, ça pop off du côté de Ogoilo. Oh la vache, oh la vache. Ah, une fois qu'on a lâché le ledge et qu'on a voulu le reprendre, c'était terminé. On aurait pu se prendre la canne à pêche et derrière, c'était sûr.